bienvenue dans ce 61e épisode de Coopération, toujours avec Martin. Hello. Ça n'a pas changé malheureusement pour moi. Non, je rigole bien entendu. du coup, on était resté au dernier épisode avec quoi, Martin? Tiens, fais-nous un petit peu une petite intro, mon petit Martin. Bah non, tu viens de la faire l'intro, j'ai pas fait. Non, mais la petite intro de savoir où on en était resté. Alors moi, j'étais en train d'assiéger les vampires, le chaos était arrivé, toi t'étais en train de flipper par rapport à tes îles sorcières. On avait abandonné la conquête chez les hommes lézards. Moi, je vais faire la paix avec les vampires une fois que j'aurai pris les villes qui me restent à prendre. Et puis, je crois qu'on était resté par là. Eh ben voilà, une petite intro bien introduite, du coup. C'est le cas de le dire par Martin. Donc, du coup... J'aime bien introduire des choses, c'est sympa. Je vais pas savoir. Du coup, on a le chaos qui a pop, et du coup, on va voir ce que ça va donner. On stresse, enfin pas Martin, parce que Martin, il est un peu tranquille. Mais moi, je stressouille un petit peu, je vous avoue. Mais attends, je suis quand même dans les premiers, donc le chaos il va être assez vite. Quand vous avez vu en plus le rang de force du chaos par rapport à moi. Ouais, ouais, j'ai vu. Bon, il va en perdre. Hein. Ouais. Tu vas s'attaquer à Prague, à qui se lève. Bah, en fait, j'ai peur que, tu sais, la première vague du chaos qui était pas en guerre contre nous, ouais. J'ai peur qu'elle ait jamais été détruite. Du coup, là maintenant qu'il y a les moi, quatre armées. Tu l'as vu? Pas croisé. Je l'ai pas croisé, justement. D'accord, tu l'as pas croisé. J'ai fait toute la North Cage, j'ai fait tout l'Empire. Hein, donc, putain, c'est bizarre. Hein. C'est un peu space. Après, ça se trouve, le fagnon du chaos, passage de tour, parce qu'il y a toujours la corruption qui est... Non, qui je crois... non, il doit rester quelques armées quelque part. Parce qu'autrement, ça te mettra qu'elle était détruite, donc... Pas bien grave. Non, on verra bien. Hein. Ouais. Ça va pas être pas tardé. Alors moi, la tienne. Je pense qu'on va perdre des plumes quand les armées seront sur nous. Ouais. Je pense. Bon, moi, je suis tranquille. Leur armée à la Tilly, elle est à Miragliano, d'ailleurs. Ils viennent de la reprendre, je crois. La ville. Leur rang de force. Non. Bon, bah, ils vont arriver. Hein. Ah, moi, ils sont moins que moi, t'es avec moi. Ils sont, ouais, bah, moi, ils sont un quart. J'espère juste qu'ils vont pas aller sur ma gueule comme ça a été. T'es en guerre contre eux, toi ? Ah, bah oui, on est tous en guerre contre eux là, mon petit Martin. Non, parce que moi je me rappelle dans le 1 en tout cas, avec les vampires, t'étais pas en guerre contre eux par exemple. Non, ouais, mais maintenant c'est déclaré la guerre à tout le monde là. Okay. Écoute, de toute façon, toi t'es en train de recruter, dès que t'as 20 sur 20, tu viens, je sais. Du coup, ça va être cool. Ouais, reste 2 tours. Hein. Bon, écoute, moi je vais quand même recruter, donc j'ai encore un tour à passer ici. Je vais me poser en mode tunnel entre la chic et les îles sorcières, puis je pop prêt en fonction de. Ouais. Les armées arrivent. C'est ce que je vais faire. Moi j'ai pas trop d'XP à ce niveau-là, on va prendre du coup des compétences. Alors qu'est-ce qu'il a en bon moment dans l'élixir? Point de vie, ancien tyran. On va lui prendre des compétences de combat. Dans un tour, on va pouvoir partir ici. On ira sur Lucini, je pense. Firus, 2 tours avant la garnison. On va commencer à ramener Arcane, du coup. Ouais, faut que tu protèges vraiment tout ce qui est du côté d'Alaïque et puis ton forge, quoi. Pareil, en fait, on va tout dégager. Je vais laisser quand même lui. Est-ce qu'on fait demi-tour tous les deux ou pas? Du coup, on fait quoi? Bah, les armes, on va pas leur foncer dessus, on va même. Ouais, donc du coup, bah écoute, au pire, on changera un peu de cible. Ce que je te propose, c'est que du coup, si je ramène toutes mes armées à gauche, je vais peut-être monter vers la Tilé et tout, et je vais aller sur Ultuad et tout. Regarde. Moi, Thorgrim, je vais laisser du côté des Croudes pour qu'il y ait quelque chose pour protéger là au mieux, au cas où je vais attaquer les Croudes. Ouais. Je vais garder l'armée qui est vers toi, bah vers toi. Ouais. Bah écoute, on va voir, ouais. Du coup, on va faire quoi? Qu'est-ce que je peux monter? Je peux monter ça pour avoir ça. 11 000 de thunes. Bon, là, c'est pas trop important. Bon, on écho encore. Hein. Ouais. Il y a encore les zones bêtes avec tout ça. Ils sont en guerre aussi? Bah, je sais pas si on a les hardes de guerriers d'hommes bêtes du chaos, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Mais les normaux, je crois pas qu'on soit en guerre d'office avec. T'as combien d'armées, toi? Je vois. Bah, appuie sur le petit bouton Seigneur Héros, là, tu me diras. Bah, 8. Ouais, t'en as bien plus que moi, hein. Ouais. T'en as 3 de plus que moi, quoi. J'en ai déjà 4 qui sont
les vampires. Ouais. J'en ai une en défense vers toi, j'ai Thorgrim. Putain, ouais, t'as. Master Ouais, j'en ai une qui est toute petite, c'est celle qui a Caracadrim. Écoute, avant de balancer les pyramides, je vais prendre ça pour avoir ça niveau 3. Qu'est-ce que j'ai encore comme capacité? Ouais, j'ai aucune capacité, j'ai encore un scorpion éventuellement, c'est tout. J'ai un scorpion, on va pas lui donner à lui pour l'instant. Dans 5 tours, on a ça. Je vais aller. Zandry, on a plus besoin de la garnison à Zandry. Ah si, Zandry, c'est ville côtière. Putain. De toute façon, là, c'est le slot pour la pyramide. Voilà, c'est renforcement. Ça, c'est... Ouais, ça va être renforcement, écoute, hein, mon pot, ça va être ça. Là, ouais. Ouais. Firus, du coup, éventuellement, je peux commencer à construire ça. Enfin, quoi que Firus, elle est où? Ah, si, elle est loin. Ouais, si, Firus, c'est bon. On va faire ça. Niveau ordre public, c'est bon. Et bah, écoute, ça va être à toi. Du coup, j'hésite à. J'hésitais à prendre Averheim parce que la ville me met quand même vachement au nord des provinces de l'Empire. Elle est quand même assez costaud, donc. Ah bah oui. Je sais pas si je vais la prendre, sachant que si je dois la siéger, ça prend en tout cas à 5 tours pour faire les tours, tour de siège. K.O. il a largement le temps de descendre quoi. Mais je vais voir si les vampires sont en guerre contre le K.O. Ouais, ils sont en guerre contre le K.O. Donc en fait ceux qui vont tanker le K.O. ça va être les vampires essentiellement. Ouais. Ils sont en haut jusqu'à Malphos. Au-dessus de Malphos, ils ont la moitié de la Norska. Ouais, peut-être pas la moitié mais... Petit quart de la Norska ils ont quand même. Kerstein. La perme, ouais. Que je les ai quand même coûté. Do. Technologie. Putain, j'ai aucune armure, faut que je me crafte une armure pour Arcane. Hein. Y a pas un truc qui augmente la reconstitution, ce serait comme ça. J'ai 146 Vascanop. Non, ça c'est vraiment trop fort ça. On va économiser les Vascanop pour ça. Ici, dans le pic noir ne m'intéresse pas. C'est au front qui va faire dépenser du truc. Ici, Temple of Garnis. Je pense que je vais recruter un prince des tombes ici. Hein. Je pense que t'as raison. Hein. Putain, ça tout me coûte des Vascanop, hein, même les petites armures de merde. Ah ouais, c'est pour là. Est-ce que je lui prendrais pas ça Arcane et je le joue anti-héros? Je le joue anti-héros, si je lui mets 5 d'attaque en mêlée et 5 de puissance des armes, ça pourrait être pas mal quand même. Putain, c'est en plus il y a la corruption chaotique qui s'est mis à rater. C'est top ici. Ça lui ferait des attaques de feu. On va faire ça, on va le jouer aussi au corps à corps, notre petit Arcane, je pense. Tu veux le jouer comment? Au corps à corps. Arcane au corps à corps? Ouais. Et pourquoi pas? Il est pas un peu fragile pour être au coq? Bah pas tant hein. Bah il a pas trop de PV par contre c'est vrai. Mais après il a une attaque en mêlée correcte, une défense en mêlée correcte, il a une puissance des armes de presque 500 quand même. Hein. Ok. Bah 500 c'est ce que t'as à peu près départ. Ouais non t'as raison. Bah, faut que si je le joue pas comme ça faut que je lui donne un char alors. Bah moi je prends toujours soit les chars soit les trucs. Parce qu'il se déplace vite. Ouais, on va faire. Je pense que je vais lui prendre un char et on va lui prendre un prince des tombes. Là, franchement, c'est pas mal du tout. On va faire ça, ouais. J'ai rien de perse armure à part eux, quoi. Contre le chaos, c'est vraiment pas une armée. Une bonne armée. Faut miser sur la magie, quoi. Mais j'ai pas de magie là-dessus. Ah oui, avec Arcane. Non, mais avec Arcane, il a une. Arcane, c'est... il a une armée anti-KO. Toutes mes armées de l'Est, elles sont anti-KO, elles sont full perse. Enfin, pas elle. Celle-là, elle est full perse armure, et celle-là. Bon, celle-là, pas trop. Non, j'ai que l'armée d'Arcane qui est vraiment perse armure. Bon, et... ça va être à tout bientôt, je pense. Là, je ferai un truc pour baisser la corruption.
la... J'espère que moins 2 de corruption pour pas énorme. Moins 2. Et si je fais et si je fais rien, je descends que jusqu'à 61 non. Le bâtiment mal quoi. Bon. Moi j'ai l'idée comme ça. En tout cas moi j'ai ma frontline qui est prête hein. Bon bah nickel. Après faut espérer qu'il passe pas du côté des principautés frontalières. Que là je suis pas prêt. Non je pense pas. Bah, des fois il passe par la Bretagne, il ravage la Bretagne et il remonte. On va voir mais... On verra mais... Normalement il passe par Aldorf, il rase Aldorf, il pète la gueule à l'Empire et après il part en Bretagne. Souvent, il... ça. Après s'il me laisse tranquille moi ça me va hein. Mais toi, c'est pas le chaos que tu vas avoir comme problème, ça va être les fantoches et puis les laquais. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Mais bon, attends, ils ont des armées, laisse tomber, quoi. Hein. C'est full élu avec les canons Apocalypse et tout. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Attention, je te conseille d'attaquer le prochain tour, Valdenov, parce qu'autrement, t'as une armée... Ah bah, voilà. Bah ils sortent. Ouais. Bah c'est pas qu'ils sortent, c'est qu'ils se font, assister par les Van Kerstein. On va la jouer, hein. On va être tendu, celle-là. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'argent. Elle se gagne, mais ça va être temps. C'est pas des petites armées de merde, là. Hein. Non. Surtout que t'as affaibli. Ouais, j'aurais peut-être fui à ta place. On verra. Écoute, c'est moite-moite. Ouais, c'est vrai que ça peut... Faut péter le seigneur, faut répéter le seigneur ennemi quoi. Putain, ça va être chaud hein. Avec leurs chauves-souris, tout, ils ont tout pour te faire chier. Ouais. Mais bon, on verra. J'ai 4 anti-larges. 5 anti-larges. Et en plus, c'est une map qui est plate, on a au moins l'avantage de. Ah, on va se reculer au max hein. Se reculer à balle. L'avantage du terrain, c'est déjà pas mal. Ouais, puis en plus, on est en hauteur. Ouais, ouais, donc tu vas pas trop. Ah putain, les renforts ils arrivent derrière. Oh putain, t'as vu où ils arrivent? Ouais. Ah, je pense qu'il va falloir se mettre ici. Hein. Faut qu'on se mette. Comme ça. Exact. Ou même, ouais, même comme ça. Ouais, dans l'angle. Juste comme ça. Normalement, s'il y a. On t'entend pas là, ça a coupé. Normalement, si l'IA fait comme d'habitude, il devrait se refaire une seule armée. Bon, on va voir. L'IA fait comme ça souvent. Vas-y, passe-moi des trucs comme ça, mais je micro-gère les engins de siège ou les arquebusiers. Ou ce qui tire, ouais. Comme ça au moins. De toute façon, tant qu'ils sont pas au contact, moi je vais pas. Ouais. Ça, j'ai que ça, on a que ça à gérer, on peut pas lire. Sur chaque côté. On va la jouer défensif hein. Ouais, y a pas de choix. Pas tant de portée que ça hein. Je pense quand même qu'elle est gagnable. On va voir, moi j'ai un peu peur quand même. Pas trop bien. Là. Je vais quand même essayer de mettre les. Si tu veux replacer l'artillerie, t'hésites pas. Hein. Oh, mais je vais tous les replacer, ouais. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Je vais les étirer. J'espère juste qu'ils vont faire comme ça. Et que j'aurai pas besoin de me tourner parce que là, ça va être la catastrophe. T'es prêt? Ah ouais, c'est bon, vas-y. Faut m'y interroger, c'est pas... Bah, interroger, je vais le... Putain, on a pas... Ouais, t'as pas de... Si t'as qu'un canon classique. J'ai deux tueurs, j'ai torpillé à troll, puis j'ai un sur le canon. J'ai envoyé le gyro sur les... Sur la cavalerie qui arrive. Sur... Allez, toi, ils se rejoignent. Thunderous!
Écoute, je vais mettre une première ligne d'arquebusier. Il va falloir que t'avances du coup dès que. On va se mettre comme ça. Attention aux chauves-souris hein, sur ton gyro. Je focus la cave. C'est bien contre la cave. Hein, je commence à focus les chauves-souris, histoire de les faire avancer. Ah, déjà, si on arrive à les péter, les chauves-souris, ça sera déjà ça de moins qui vient nous faire chier. Ah, c'est bien parce que là, non seulement j'ai bloqué l'armée, si tu regardes, l'IA est conne, et en plus, je lui fais claquer les bandes de magie en guérison. Ah oui, ouais. Ça tire déjà là, je vois. C'est cool. Oh, c'est juste les canons, hein. Malheureusement, les autres ils ont pas la range du tout. Hein. Bah, tire pas sur les chauves-souris avec les canons, ça fait gaspiller. Bah, non, c'est juste parce que du coup, c'est le seul truc que j'ai apporté. Et mine de rien, les chauves-souris, j'ai pas vu qu'elles viennent au cac pour me faire chier les arquebusiers ou autre. Ouais, bon, puis les canons ils ont pas mal de mun aussi. Donc. Après, tu vois, les canons ils ont pas mal de. Ils sont pas épuisés par hasard. Je focus les chevaliers noirs, tiens. Ouais, focus les chevaliers noirs, bien sûr. Ils sont un peu. Ils sont pas rapportés, mais ils vont l'être dans pas longtemps. Ouais. Bon, je vais changer, je vais focus les chevaliers de sang. Ah, ils s'enlèvent de la range. Couche de rose, qu'on s'avance un poil pour être à range d'infanterie. Vas-y, avance ouais. Toute ton armée un tout petit peu. Tu veux que j'avance jusqu'au bout? Attends, je vais te montrer où je vais me mettre moi. Après la baraque là après. Non, je me suis mis juste avant justement pour l'instant. Quoi, on va se mettre. Pour l'instant, on va s'en lancer un peu. Faut vraiment que je sois à range d'artillerie en fait. Ok, je vais mettre un petit peu comme ça, je vais juste derrière toi. Là, je viens de focus. J'ai focus avec les canons. Je pense que ça va les faire bouger de les focus avec les chevaliers noirs. Justement, si on bouge pas, on gagne la bataille. Ah oui, bah on va rester comme ça. Mais pour l'instant, faut être à range, quoi. Parce que si on est à range puis qu'on tire, ils vont tant qu'ils bougent pas, bah. Bon, faut en accélérer au pire des cas. Bah vas-y, accélère un peu, ouais. Le problème, c'est que le canon, là, il est déjà presque à mi-munition, quoi. Ouais, bah arrête de le faire tirer pendant. Bah après, non, je le fais tirer sur les chevaliers noirs, c'est bien. Ah oui, c'est les chevaliers noirs, non, c'est bon, les chevaliers noirs. Tu vois, il recule. Ah yeah, ça, je crois que ça avance là. Ouais, je crois que c'est... Ton gyro, vas-y, attire-les avec ton gyro, ramène ton gyro sur nous. Ils ont quoi? Ils ont 110 de vitesse et ton gyro il a 105, quoi, ça va être chaud. Mais c'est bon, ils arrivent au moins. Je vais foutre gyro 4 et je vais choper les chauves-souris. Chauves-souris contre gyro. Ok. Ouais, ton gyro il s'est fait choper, il va. J'ai peur qu'il y passe. Je pense qu'il va y passer aussi. Ah, il a fait du taf. Je crois que le gyro il est foutu. Ok, c'est là que ça va être décisif. Dès que mes arquebusiers commencent à tirer, tu t'avances. Yep. Tu me dis, bah, faudra te le dire. Je te le dirai, ouais. Par contre, moi j'ai la baraque qui me bloque. Hein. Ouais, faudrait que tu te mettes devant la baraque. Ouais, ça devrait pas tarder là normal. Merde. Attention à ce qui arrive à gauche. Hein. Ouais, j'ai vu. C'est tout large. T'arrives à faire. Je crois que tu vas arriver à portée là, je pense. Hein. Ouais.
passer en avant. Sur les Vargas là. Ouais. Qui vont être deux pour être fait, hein. T'arrives à mettre tes arquebusiers sur les unités de. Ouais. Sur les Vargas. Les Vargas, ouais. Les blindes. Enculé de Terranguay, c'est là qui arrive. Occupe-toi, c'est le truc bleu. Les Vargas, t'arrives à les. Tu sais, il y a des Vargas qui sont sur mes arcs. Sur les arquebusiers, t'arrives à les. Attends deux secondes. Merde, j'ai trompé ça. Sur les arquebusiers, j'ai mis les. Ils ont pris cher, j'ai réussi à bien blinder. C'est Vargas. C'est Vargas. Ici. Là, ça tient encore bien. Ok, le héros il a front de chauve-souris, j'ai vu. Allez, allez. Je vais focus le terrain guest un peu. Okay. Je vais finir les Vargas à droite. Bon, les Vargas ils vont se. Ils vont... Je vais juste balancer une dernière tir sur les Vargas. Là. Voilà, les Vargas ils sont finis. Allez, terrain guest maintenant. Allez, on maintient le rythme. Avec le machin flamme, essaye de cracher plus dans la profondeur plutôt ici. Là, ah, je suis dans le pack là, hein, avec le. Regarde où il, c'est, où il est. Ouais, bon, c'est bon là, c'est dans le pack. Là-bas, là. Eux, ils font chier, hein. Allez! On va tirer là-dessus. Je vais être sans priorité.
Allez, focussez-moi tout ça. Ok, ils sont morts. Ah oh, putain, j'ai des cavaliers noirs sur. Ah, c'est bon, j'ai récupéré les canons à flamme. Allez, go, on continue. Allez, on repart sur le Terror Geist. Le canon, on va le faire focus ça. Allez, go là-dessus. Te booste. Allez. Putain, c'est en train de lâcher. Chez nous? Non, non, chez eux, sur la droite. Où qui lâche là? Toi, tu tires où? Putain, je me suis décapité par Terror Gate. T'arriveras à foutre une salve ici par hasard? Ouais, ouais, je vais changer le focus, je vais. J'ai changé le focus là. Ok, on est par la balle. Ok, il se barre. Bon, je continue sur Terror Gate, vu qu'il se barre. Conneries. Les marteliers, ils sont ok. On va faire charger le seigneur adverse. Et tueur ici. C'est bon, le Terror Geist, il est presque mort là. Je pense qu'il y a encore le canon dessus, encore un tir de canon et c'est fini. Ouais, ça, il se désagrège aussi. Celle-là, si on la gagne, je l'enregistre. Oh bah, on l'a gagné, c'est sûr. Hein. Ah, attends, t'es jamais à l'abri d'un vortex, d'une merde comme. Je suis pas trop zoomé par contre, j'étais trop concentré pour ça. Ouais, non, mais il y a les pneus, puis il y a un tableau de spectacle pour le reste, hein. Une chose à la fois. Le but c'est quand même de finir la coop. Hein. Ouais. Ah putain, bah GG. Hein. Franchement, là, on a assuré. T'as eu le canon Org, tu vois le nombre de morts du canon Org. Ah, ça doit être incroyable. Putain. regarde aussi les torpilles à troll là, je les ai mis que sur l'anti-large, c'est monstrueux. Ah ouais, putain, ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai perdu que mes tueurs en fait, je m'en sors bien. Comme d'habitude en fait, hein. T'aurais pu faire la faire en auto, ça aurait été pareil. En auto, j'ai gagné. Non, je pense pas. Prends ça pour les canons. Là. Les marteliers, voilà, ça a été. Bah, tu verras quand tu regarderas le replay. Tu l'as sauvegardé ou pas? Non, j'oublie, c'est pas grave. Du coup, tu verras quand tu regarderas l'épisode, dans longtemps, vu l'avance qu'on a, et tu verras le pack qu'il y avait. Ils étaient paqués, tous paqués entre eux. Du coup, ça a fait carnage. Bon, maintenant, je vais faire la paix avec les Funkerstein. Ça, c'est beaucoup de thunes quand tu pètes une armée comme ça. J'ai pas regardé les thunes, je regarde jamais les thunes. Que... J'ai dû me faire. Vu ce qui me restait, j'ai dû me faire en 2000. Bah, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. Ça nous fait une demi-heure pile. On s'arrête pour des huit tours. Ouais. Allez, me réattaque pas. Bon bah nickel tout ça en tout cas. Ouais, c'est bien. Parce que là, ils ont quand même plus cher. Hein. Ah bah là... Bon, on va. Bah, pour l'instant, les guerriers du chaos, c'est pas encore eux, c'est les serviteurs ou les. C'est pas les serviteurs, ils sont au nord, c'est les autres, les fantoches. Ouais, les fantoches, ouais. Les fantoches. Les laquais, ils existent plus maintenant. Hein. Ah, ils existent plus? Non. C'est que pour l'œil du vortex? Peut-être. Donc, on va s'arrêter de façon sur 5 armées du chaos qui vont me pop sur la tête.
même obtenu de la bière naine comme ressource. Oh putain, t'as vu, paix négociée entre Lauterne et l'ordre des maîtres du savoir. Ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre, c'est fou ça, hein. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Allez, fantoche. Ils sont là. Pour l'instant, j'ai rien sur. Oh putain. Oh. Ils sont là. Mec, 1, 2, 3, 4, t'as 6 armées qui t'arrivent dessus. Ouais, c'était prévu, hein. Puis tu sais qu'ils me viennent tous dessus, hein. Oh mon dieu. Oh, ça va, c'est du guerrier du chaos, c'est pas les. Ah si, il y a quand même du géant, ouais. Ouais, c'est un géant dans une armée, ça va, t'as. Large. Bon, écoute, on va aller. Là, faut essayer de les cueillir quand ils débarquent. Hein. Ouais, ça va être chaud, hein. Je pense que je vais perdre 2-3 villes. Bon, bah, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais juste rien faire du tout. On le fera le prochain épisode. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On est dans la merde. Vous voyez ce qui arrive pour la suite. Sur moi, bien entendu, comme d'habitude, hein, de toute façon. Je vais pas être en reste, t'inquiète pas. Après, peut-être qu'ils vont monter aussi, on verra. Peut-être on va voir ce qu'ils vont faire. L'avantage, c'est qu'on a une armée ici et qu'on a nos garnisons qui sont toutes niveau 3, donc on va pouvoir les affronter à 2 contre 1 à chaque fois. Puis il y a Martin qui est par là, donc je pense qu'on arrivera à faire quoi que ce soit, enfin à faire quelque chose. Et puis du coup, on a 3 armées. Qu'on s'occupait du dédain dans les montagnes ici, sinon t'étais tout seul. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'était le but, hein. On a bien fait. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette arrivée du chaos. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, à la chaîne. Si c'est pas le cas, mais j'y crois pas. Vous êtes bien entendu tous fidèles. Et du coup, je vous souhaite de bien vous porter. Et on vous dit à très vite pour la suite de cette Let's Play en cop avec... Martin. Du sang pour le dieu du sang. Allez, à bientôt.